On se retrouve aujourd'hui pour la... On se retrouve aujourd'hui pour la... Voilà. Quand on a 573 milliards d'euros, en général, on essaie de sécuriser le truc, quoi. C'est pourquoi la Banque d'Angleterre fait partie des lieux les plus surveillés et interdits. Située dans la cité de Londres, elle occupe la 15e place en termes de volume d'or dans le monde. Ce sont 4600 tonnes d'or, principalement des lingots, qui sont situés dans un espace souterrain de plusieurs étages tenus secrets. Voici à quoi ressemble un billet de la banque en 1699. À Londres, toujours, se trouve le White Gentleman's Club, une sorte de bar ou un cabaret fréquenté par des personnes importantes et très populaires. En fait, c'est dans ce genre d'endroit que des mecs comme le prince Charles, le prince William ou encore la reine Elizabeth se rendent pour aller boire un coup. Je vais pas vous citer toutes les célébrités, mais par contre, sachez qu'il y en a suffisamment pour que l'accès soit totalement interdit aux personnes qui n'en font pas partie. Et pour en faire partie, il faut qu'une personne déjà membre nous invite. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a 3 ans. Bon, je vous montre une photo, même si j'ai pas vraiment le droit. Perso, c'est pas trop mon truc, je trouve que c'est un peu ringard. En Russie, on raconte qu'une ligne de métro top secrète destinée à doubler le métro traditionnel de Moscou servirait aux militaires afin de se déplacer secrètement et rapidement. Plusieurs études démontrent le trajet construit pour le métro 2, mais jamais personne n'a pu prouver son existence. Une des entrées stratégiques à la station souterraine se trouverait dans l'université d'État de Moscou. Autant vous dire que si vous vous baladez là-bas, par hasard, vous tombez dessus, ça se passera comme ça. Je pense pas que vous puissiez faire demi-tour et faire comme si de rien n'était. Pas grand chose à dire sur celui-là, mais sachez simplement que la recette du Coca-Cola est très bien gardée dans un putain de coffre, très difficile d'accès. C'est un peu pareil pour les centres de données de Google. Il n'y a pas grand chose à dire non plus, mais c'est très sécurisé et très peu de personnes peuvent s'y introduire. Dans la forêt amazonienne se trouvent des tribus isolées du monde entier. D'ailleurs, je peux comprendre leur choix étant donné le monde de merde dans lequel nous vivons. La réserve de Javari est le plus grand territoire indigène du Brésil. Sa superficie est plus grande que l'Autriche tout entière. Cet endroit fait partie des lieux les plus difficiles d'accès au monde. Premièrement, il est très dangereux de s'approcher d'eux. Ils n'hésitent pas à attaquer et à tuer les personnes qu'ils trouvent menaçantes. Des confrontations sanglantes ont souvent lieu entre les tribus et des trafiquants de drogue. Ensuite, l'endroit est difficile d'accès et il est presque impossible de trouver leur emplacement. Et pour finir, ce seront aussi les autorités et des organisations qui vous empêcheront de vous approcher trop près de la réserve. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.